Et merci Lolita, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. J'ai eu ton live, puis Ariana, j'ai crié. Oh my god, Ariana. Bah écoutez, on va dire bonjour, hein. Vous pouvez dire déjà bonjour aux personnes qui regarderont cette rediff, hein, parce que je pense que je couperai là au moment où on commence vraiment bien et qu'on rentre dans le feu de l'action. Mais en gros, oui, le premier épisode, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le premier épisode avec Ariana. Hein. La dernière fois, on a juste créé Ariana et on lui a juste créé une maison, mais on n'a pas joué avec. Donc là, vraiment, on est vraiment au tout début avec Ariana. Et bah écoutez, la première chose, je pense, à faire, vu qu'on avait dit qu'il n'y aurait pas de triche dans ce let's play, qu'on essaierait de la rendre célèbre dans les règles de l'art, voilà, comme si elle commençait. C'est vrai que, bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû lui mettre une tenue un peu moins... stylé, un peu plus casual, quotidienne. Mais bon, hein, c'est Ariana, hein, dans toutes ses... sur toutes ses coutumes, elle est belle quand même. Hein. Elle est très le design. Et on va lui chercher un boulot avec Heure de Gloire. Et merci Miss DMSP, bienvenue. Donc moi, ce let's play va surtout m'aider à bien jouer en profondeur avec le pack Heure de Gloire. Ce qui est super bien, c'est celui que j'attendais vraiment et j'ai super... Tous les jours, j'ai envie de jouer aux Sims à cause de ce pack, parce que j'ai pas eu le temps de bien faire les choses avec. Et on va chercher... Alors, on n'a pas de... d'ordinateur. C'est trop la hesse. C'est la hesse. Ariana, elle a pas d'ordinateur. Du coup, on va essayer avec le téléphone. Normalement, on peut... On peut trouver... Oui, trouver un emploi. Je crois que c'était là-dedans. Oui, c'était là-dedans. Qu'on devenait célèbre. Enfin, pas le premier jour, en tout cas. Pas le premier jour. Oui, j'ai réactivé les CC. Oui, oui. Alors, voilà, c'est actrice qu'on va mettre, parce que pas un truc spécial chanteur-chanteuse, même si on peut faire un peu de chant dans tout ce qui est dans les pubs et ce genre de choses. Donc, on devient actrice. Et là, on peut choisir entre deux agences. Et merci Cassandra, bienvenue à toi, merci beaucoup. Alors, on avait le choix entre agence Fantastic Figurant. Notre équipe a placé des visages dans tous les plans larges avec une foule que cette ville n'est jamais filmée. Nous trouvons du travail. Mais, même s'il s'agit souvent de tout petits rôles. Et merci Sarah, bienvenue à toi. Avantage, plus d'auditions pour les contrats de publicité de séries télévisées diffusées aux heures creuses ou agence de recrutement. J'étais sur la mer, son petit a commencé à galoper, elle a galopé. Je me suis fait dessus, la motrice arrive, ma mère m'a puni, j'ai plus jamais monté de cheval. What? J'ai pas compris le début, j'étais sur la mer. Et merci pour le don. Faut que je relise le truc, je crois, encore une fois pour comprendre. C'est normal que je veux ton contact. Oui, plus personne ne peut me contacter sur Discord, sauf mes amis Discord. C'est parce que j'étais trop spammée ces derniers temps. Je suis désolée. Recarole, tu installes où TCC? La plupart viennent de The Sims Ressources. Coucou le petit nono. Et la deuxième agence, ben en fait c'est les avantages, rappel automatique, améliorer, optimiser votre temps de travail. Alors pensez à l'agence de recrutement IA c'est intelligence artificielle, non candidat, nos agents ont hâte d'occuper votre temps improductif avec du travail. Veuillez activer les notifications pour vous tenir au courant des nouvelles opportunités de domaine professionnel. Ok, donc en fait la deuxième agence elle est un peu plus, je pense, cotée, mais du coup il y a moins de travail dedans. Donc, la dernière fois, on avait pris l'agence Fantastic Figurant, mais j'ai envie de partir sur la deuxième agence. On aura moins de travail, c'est peut-être pas une bonne idée quand c'est déjà la HES comme ça. Mais bon, on est dans la base de données de l'agence de recrutement individu authentique, parce que Ariana, c'est Ariana, on peut pas la mettre dans les petites auditions, voilà, faut qu'elle commence. Voilà, elle s'est fait connue. Enfin, elle est devenue connue très très vite, hein. Déjà dans Disney, elle était pas mal connue quand elle est apparue dans la série, je sais plus le nom. Je vous avouerai que j'ai pas suivi Ariana dans la série de Disney. Je l'ai vraiment connue quand elle a vraiment développé sa carrière de chanteuse. Je vois pas ta grosse tête. Je vois pas ta grosse tête. De déranger de nouveau, mais les Sims sur PC, faut avoir un PC gamer. Pas forcément, c'est pas un gros jeu hein, non plus les Sims. Hein. C'est pas forcément PC gamer. Mais faut avoir quand même un PC avec un minimum quand même de puissance. L'escrime, en fait, on touche juste la tête, c'est en plastique, l'épée, heureusement, c'est dommage, je suis tué entre nous quand même. Ouais, mais quand même, même si c'est en plastique, et même s'il y a une petite boule au bout, bah, tu dois quand même avoir des bleus à force. Dans Discord, les lives Sims 4 sur l'SP. Je t'ai envoyé un truc pour MP, exprès. Pour MP, exprès dans MP. Tu parles des CC? J'ai pas compris, Miouli. Victorious, ouais, voilà, c'est dans Victorious, la série. Par contre, elle fait rien. Est-ce que j'ai mis... est-ce que dans les options... J'ai désactivé l'autonomie. Autonomie désactivée. Non, je vais pas désactiver l'autonomie, moi.
de faire des trucs, on va la laisser faire les trucs. Mais là, elle est plutôt bien. Sauf que si on va dans, hop, ici dans le travail, il n'y a rien. Consulter les auditions disponibles. On va vérifier quand même, mais ils avaient dit qu'il faut activer les notifications pour voir bien. Ah mince. Bah, du coup, ça m'a rien proposé du tout, je crois. Ah si. Alors, sélectionner une audition. Si on a une audition, donc soit guitare, soit charisme. On va plutôt partir sur le charisme. On n'a pas assez d'argent pour une guitare. Donc, ce sera publicité mousse salée. On va commencer le lendemain à 9h. Donc, on a 24 heures pour passer niveau 2 de la compétence charisme. Heureusement qu'on a... Pourquoi on appelle là? Il vous manque les connaissances de base pour devenir une actrice professionnelle. Vous devez d'abord aller à des auditions pour prouver votre aptitude à faire semblant de manière professionnelle. Si vous réussissez à cette supercherie, vous devrez aller à un studio plus tard dans la semaine pour effectuer le tournage correspondant à ce contrat. Cela rapportera de l'argent. Ok. Oui, mais j'ai déjà pris. J'ai déjà pris ça. J'ai déjà pris. Et merci, Medicorn. Bienvenue, merci beaucoup. Bah, de quoi je réponds à rien, Sarah? Je réponds quand je peux. Mon PC est pété. Qu'est-ce que tu as fait, Kili? Et merci Françoise, bienvenue à toi, merci beaucoup. Et là, on va s'entraîner à faire un discours hein, pour le charisme. Ouais. Même Ariana, hein, il faut qu'elle s'exerce devant le miroir. Coucou Sébastien, comment tu vas? Re-petite bavarde, je suis passée sur Tel, nice. J'ai trop le seum, demain je commence à 8h. Ah bah, pas de chance. Ah bah, pas de chance. Ça va et toi, Nono? En plus, j'ai mon petit coca cerise. Toi aussi, Miss LOL. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos PC pour qu'ils décèdent aussi vite? J'ai le dernier Windows 10. Tu penses que c'est assez puissant? C'est pas une question de Windows 10, en fait. Parce que autant il y a des PC pas très puissants qu'ils arrivent quand même à faire tourner Windows 10, mais du coup, c'est limite pour les Sims. Le mieux, c'est que tu me dises combien ton PC, par exemple, il a de RAM. Ça pourrait peut-être un petit peu plus m'aider pour te dire si ça pourrait matcher ou pas. Ok, c'est du caca. Bah, c'est du bon caca, alors, hein, parce que c'est très très bon. C'est très très bon. Ok, Ariana, on va accélérer le temps qu'elle fasse ça. Bienvenue dans le quartier. Ah, on va peut-être dire bonjour quand même aux voisins, parce que Ariana, elle va devenir famous, faut qu'elle se fasse des amis. Oh, merci pour le sponsor, merci beaucoup Erza. Bah encore, hein. T'es déjà sponsor sur l'autre chaîne, si je me trompe pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, je te fais un énorme cœur déjà d'avance, mais je ne sachais pas encore afficher. Merci beaucoup, c'est super gentil, merci pour le soutien. Moi j'ai Sims, mais je joue pas, j'ai pas trop le temps. Ah mais en plus, c'est trop trop bien. Bon appétit cerise. Eh bah écoutez, ok, il y a le comité, mais voilà, hein, c'est une travailleuse, notre Ariana, donc elle va retourner augmenter son charisme. Voilà. Mon PC crash. J'ai réussi en cherchant sa deuxième chaîne sur YouTube Gaming. Ah bah oui, mais au pire, si vous appuyez sur le petit super chat en bas, vous avez rejoindre en fait, et quand vous appuyez sur rejoindre, ça vous met le truc du sponsor sur la chaîne là. Je sais que j'ai pas encore le bouton rejoindre, je vais essayer de l'avoir aussi sur cette chaîne pour que ce soit plus simple pour vous comme sur l'autre. J'ai envie d'un truc en MP Discord exprès pour se l'esprit. Ah! Je sais quoi. Ah! Simple et efficace. Ok, attends, je vais la prendre. Je vais la mettre. Je vais la mettre. Et merci pour l'abonnement. Aussi, bienvenue, bienvenue. Alors là, hop, miniature. Comment t'appeler ça? Miniature quinzelle. La miniature de la quinzelle. Hop là. J'adore être sponsor. Bon, en plus, là, le petit logo, il est stylé, hein, comme le petit logo des Sims. Merci à Johanna hein, qui me l'a fait. Très très beau. J'aime trop les logos sponsors. Bah ouais, Juju, hein. On remercie Johanna. Et merci Linusa, bienvenue, merci beaucoup. La pauvre, elle est venue en mode oui, bonjour. Ah, c'est une vedette débutante en plus. Voisine. Bah, peut-être qu'on parle un petit peu avec elle. Discuter des changements dans le quartier. Allez, remercier d'être là, parce que quand même. Bon, désolé, hein, j'ai pas préparé de gâteau pour les voisins. Mais il y a qu'une seule personne qui a daigné. Attention, hein, parce que les voisins, ils sont pas trop trop venus me voir. Mais plus tard, quand Tariana sera célèbre, vous allez tous regretter. C'est la fille qui a trop la rage, qu'il y ait personne qui est venu lui souhaiter la bienvenue dans le quartier, alors qu'il y a plein de maisons, hein. En vrai, il y a juste celle-là, hein, qu'on peut aller visiter. Oui, celle-là aussi. Celle-là aussi? J'avais pas vu. Donc il y a deux maisons vraiment qu'on peut aller visiter dans le quartier. Mais voilà quoi, je m'attendais à plus de monde quand même. Vous allez regretter les gars. Merci Sarah.
Alors, on va lui susciter de la paix dans le monde, puisque Miracle Ariana, voilà, c'est Ariana, la cœur en Miracle. or, tout ça. Soufflo Bob is J'ai Wogra. entendu un bruit bizarre, comme s'il y avait un ronflement. Oula, la maison, elle est hantée ou ça se passe comment? C'est vrai qu'on a une télé quand même pour le divertissement. Peut-être se divertir un petit peu. J'aurais pu me ramener aussi un gâteau, hein. Tout le temps. En vrai, les voisins me rapportent tout le temps des gâteaux. Regardez, hein. Regardez un film avec. Allez, cœur à prendre. On va regarder un film à l'eau de l'ours. Allez, viens, viens, viens. On va regarder un film ensemble. Voilà, parfait. Coucou Joyce, ça va et toi? Coucou Noémie, il y aura la rediff? Oui, il va y avoir. T'as trop d'ego, PTDR. Ouais, mais c'est Ariana, c'est pas moi, c'est Ariana. En vrai, franchement, si vous auriez une voisine à côté de chez vous, vous connaisseriez comme ça de vue. Et du jour au lendemain, elle devient une star planétaire. Et là, vous dites, eh merde, j'aurais dû devenir amie avant avec elle. Maintenant, elle a déménagé dans une villa 36 000 étoiles et j'arriverai peut-être plus à la contacter. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Sunny, ça va et toi? Moi j'ai un Windows 10. Il est possible que sur mon nouveau PC je puisse utiliser le compte origine d'une amie. Oui, par contre, en version, si on a une qui est en ligne, l'autre elle sera hors ligne. Vous pourrez quand même y jouer, mais vous pourrez pas vous connecter à Internet toutes les deux en même temps à partir du compte origine. Après, vous pouvez vous le partager entre amis, hein, le compte origine, hein, pour pas payer en deux fois les jeux. C'est juste que voilà, en ligne, vous pourrez pas y jouer ensemble en même temps. Ça va et toi, Atsum? T'as mis un cœur à mon com, t'es trop sympa. Bah j'essaye de lire un maximum de commentaires tous les jours. Ok, on a assez regardé la télé. Moi je vais quand même continuer à augmenter son charisme. Le but quand même étant qu'elle gagne de l'argent, qu'elle devienne famous, qu'on augmente sa notoriété. Alors, surtout que les débuts vont être un petit peu difficiles. Je dois vraiment y aller, c'était sympa, bah y'a pas de soucis. Défi de la positivité. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore le défi de la positivité. Voilà des affiches. Utilisez téléphone portable au Sim, sélectionnez l'onglet social, appelez Millie Bobby Brown, la coordinatrice de l'événement, et parlez lui pour en savoir plus sur le défi de positivité qui a lieu en ce moment. Faudra que je me renseigne quand même. Alors le mieux c'est quand même que je passe au moins niveau, voire même 3 en charisme, ce serait bien. Je pourrais plus t'envoyer mes dessins sur Discord, mais pour les dessins peut-être que je créerai un mail fanart quinzaine, un truc comme ça pour que vous puissiez continuer à m'en envoyer sur ce mail, en espérant que les gens n'abusent pas et ne m'envoient pas autre chose, hein, je vous connais les gars. Niveau 3 de la compétence charisme. Ah déjà niveau 3, je pensais qu'elle passait seulement niveau 2. Oh je suis contente, je suis contente de parler de PC car j'en ai pas, lol. Vous êtes quoi sur téléphone? Et merci Eva, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Les gens ils sont là en mode non, moi aussi je veux un PC, je veux un PC. Cette voisine elle est partout, wesh. Bah je pense que ça doit être un petit peu la voisine attitrée du quartier et que toutes les personnes qui emménagent ici, ben voilà, tombe sur elle. On a une petite faim, ma petite Ariana, à servir le dîner. Bon, peut-être pas des haricots aux saucisses parce que si elle pète pendant le tournage, ça va le faire. Petite salade du jardin, hein, parce que voilà, faut qu'elle garde la ligne pour, voilà, pour devenir une superstar. De toute façon, elle a déjà la ligne, hein, de base. Je pense que chez elle, ça doit être génétique en vrai. Ça se fait, elle mange des burgers tous les jours, mais elle prend pas de poids, hein. Pas comme moi, je prends un burger et 10 kilos dans les fesses, quoi. Et encore, ce serait dans les fesses à la limite. Mais non! Ça va partout ailleurs! S'il pète pendant le tournage, bah ouais, ce serait. J'ai vu les Sims saison, il est trop bien. Ouais, le saison, il est pas mal. Après, c'est pas le premier que je recommanderais si on n'a pas les autres. Mais si on a les autres, le saison, il est bien. Est-ce qu'il va durer longtemps ce live? Bon, en général, je pense faire un let's play entre 30 minutes et 45 minutes sur Ariana régulièrement, en fait. En faire plus souvent, mais moins longtemps pour que les gens puissent suivre quand même en rediffusé. C'est cool. Moi, mon nouveau PC va me coûter 900 euros. Bon, ça va, pour 900 euros, t'as quand même un bon petit PC, hein. Vraiment, tu pourras tout faire tourner à la limite. Pour lui donner un peu de hauteur. What? Mon verre d'eau, 20 kilos. Un verre d'eau, t'as craqué, toi. Je trouvais pire que moi. Ok, elle a envie de faire un dodo maintenant. Faut qu'elle soit en pleine forme pour son audition le matin. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de la monter en charisme 4. Et je pense que ce sera pas trop possible, même si je la lève plus tôt. Mais 3, c'est déjà mieux que 2. Sachant qu'il faut avoir charisme 2 pour passer l'audition.
Et encore, on n'est pas sûr de réussir, hein, je rappelle. Allez, quand même, on va les manger avant de passer l'audition, ce serait bien. Manger les restes. J'espère qu'elle sera pas de mauvaise humeur de manger des restes. Essaye à cracher hier, mais genre il a craché une fois et tu peux le relancer ou genre vraiment il est cassé. Ce soir je vise les 1K. Et t'as combien, Grégade? C'est pourquoi la suite, la série des Sims. Alors le prochain épisode ce sera pas l'Insta, ce sera le challenge Sims. Après je vous avouerai que là vous aurez pas mal de vidéos sur Campus Life. Parce que j'essaie de me rattraper sur mon retard Campus Life. Donc il y aura un petit peu beaucoup de vidéos Campus Life. Mais le prochain Sims ce sera sur le challenge, l'Alien Challenge. Coucou Miss Lucie! Plus de boobs et de cul, elle en a pas beaucoup. Bah ouais, en fait, j'ai fait exprès hein, parce que en réalité, elle a pas beaucoup de boobs, elle a pas beaucoup de fesses non plus, quoi. Allez, tu vas nettoyer ça. Il va être 9h, donc j'ai pas le temps de prendre une douche. C'est bête. J'espère que tu vas pas puer la chaussette à ton audition. Ouais, elle est mal à l'aise à cause de la bouffe. Mince. Bon, j'espère que. Ah, mais non, on la suit pas à l'audition. Ah, j'avais oublié ça. C'est après, si on réussit l'audition, après, on. Oh non, audition ratée, vous n'avez pas eu le rôle. Le directeur du casting n'a pas apprécié si c'était à cause de votre jeu ou des poignées de bonbons que vous avez prises à l'accueil. Dans le doute, vous devriez améliorer vos compétences pour être mieux préparé la prochaine fois. Non! Non, on a 200 dixièmes flou, c'est la merde. On va tenter une autre audition, hein. Alors, soit comédie ou fitness. Comédie ou fitness. La compétence comédie peut-être. Je pense que celle-ci, on l'augmente devant le miroir aussi. Et avec le charisme, c'est peut-être un bon truc. On va tester si ça augmente aussi le divertissement. S'entraîner à jouer, on sait jamais. Enfin, moi, je trouve ça quand même divertissant. En tout cas, audition ratée. On commence très bien. Non, ça augmente pas le divertissement. Ouais, faut réussir son audition, parce que là, c'est la Hesse, c'est la Hesse. Faut moi une audition au début pour nous booster, pour nous lancer. J'ai acheté un PC gamer avec l'argent de mes annives et Noël. Ah, ça, c'est bien. C'est dommage, d'ailleurs, parce que là, il y a le Black Friday, et je pense qu'il y aura des belles occasions demain pour des PC et d'autres choses aussi, hein, pour ceux qui veulent des jeux vidéo. Pareil, ils seront pas mal en promotion. Ouais, elle a raté son audition, sa première audition. Mais bon, plus tard, elle pourra dire aux gens qui lui ont dit non à l'audition. Ah ouais, vous avez pas voulu de moi à votre audition? Ça se fait, aujourd'hui, vous auriez eu une pub avec Ariana, et maintenant, vous avez rien du tout. Voilà, vous aurez pas votre pub de lessive. Voilà, vous l'aurez pas. On sent que Yasmine n'est pas d'interaction sociale pendant 24 heures. Mais c'est pas vrai, elle a eu des interactions sociales, je ne vous crois pas. Elle est deux en compétences... Attendez, parce qu'il y a comédie et jeu d'acteur. Oh, c'est pas du tout la même chose, je crois. Oh merde! Oh merde! Attendez, stop! Stop! Ça ne va pas du tout, les gars! Ça ne va pas du tout! Oh merde! Le jeu d'acteur, il faut un micro. Il n'en a pas de micro. Oh la catastrophe! C'est vraiment une catastrophe! C'est vraiment une catastrophe! Bravo, Karzel! Bravo! Bravo! Et merci de me l'avoir dit hein, aussi! Hein. Sa maison est petite. Bah ouais, c'est la Hesse, c'est le début de sa carrière. Elle a pas beaucoup d'argent, elle habite dans un petit quartier du coin. Mais vous inquiétez pas, plus tard elle aura une grande maison ici qui se construira. Parmi les autres maisons, ils vont être toutes très kiki à côté. Quoique, j'ai envie de te dire, il y a quand même des maisons, elles sont belles hein, quand même, regardez ça. J'adore ça avec le petit garage derrière, c'est trop bien fait. Ouais, ce genre de maisons, elles sont trop trop belles. On dirait limite deux maisons comme ça ici. Oh mon dieu, c'est trop beau! Mais bon, ça, c'est des maisons non habitables, c'est du décor, en fait. Mais bon, ça nous dit quand même qu'on peut créer ce genre de choses. Regardez celle-ci, elle est pas trop belle. Et bon, il va falloir que je me rattrape. Est-ce que vous connaissez... Ouais, je crois qu'il y a des micros dans les bars. Alors, peut-être qu'on va aller à un bar ce soir. Comme ça nous augmentera le divertissement, je pense. Le social également. Donc, on va aller prendre une douche. Ouais, on va aller prendre une douche. Ça sera peut-être un petit peu moins tendu. Et on va essayer de trouver un petit bar dans le coin. Pour au moins monter niveau 2, pour peut-être avoir quand même une petite chance. Sa maison est tellement petite. Mais regardez, j'ai pas triché. Et il nous reste que 200 sim plus avec la maison que j'ai créée. Le terrain coûte assez cher quand même, le terrain. Rien qu'à lui tout seul, vu que c'est quand même un assez grand terrain de base. Regarde la télé. Ah oui, il y a aussi la télé qu'on peut regarder pour la comédie. C'est regarder la chaîne. C'est laquelle de chaîne pour la comédie? C'est pas un truc de théâtre? Météo, actualité, communautaire, chaîne d'action, humour. Est-ce que ce serait l'humour pour... Non. Pour la comédie. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre.
Je ne suis pas sûre que c'est ça. Ariana est pauvre, oui. Après, en vrai, je ne sais pas si elle vient vraiment d'une famille pauvre à la base. Je ne sais pas si ses parents étaient pauvres. Je crois que Selena Gomez, elle venait pas d'une famille super riche à la base. Elle venait d'une famille à peu près normale. Elle n'avait pas vraiment de parents riches ou quoi que ce soit. Mais Ariana, je ne sais pas. Humour, je crois. C'est possible. Humour, vous pensez? Bon, on va essayer humour. Chaîne, regardez la chaîne humour. Ce serait bien aussi si j'invitais quelqu'un. Aki, oui, vous avez raison, c'est bien la humour, puisque Aki est la compétence comédie. Ouais, on va rester. Ça va lui augmenter le divertissement en même temps, et ça, c'est cool. Une famille modeste. Ouais, voilà, si elle vient d'une famille modeste, ou d'une famille pauvre, ou d'une famille riche, avec des parents, genre, qui sont déjà acteurs ou chanteurs. J'ai loupé le moment où tu l'habillais, mais c'est pas grave, c'était un autre live encore. Non, sa mère est une di directrice d'entreprise. Ah, donc elle est quand même bien, bien quoi, à la base. On part dans un bar. Bah, du coup, peut-être qu'on ira quand même. Dans un bar, il est quelle heure? Ouais, ça va être tendu quand même. Est-ce que si je peux avoir au moins le niveau 2? Après, je pense qu'on va rater l'audition parce que je serai que niveau 2. Je commence à me dissiper. Je devrais me focus sur une compétence. Ou par exemple, regarder toujours la télé, mais sur une chaîne spécifique pour augmenter le divertissement, mais en même temps augmenter une aptitude pour un petit peu optimiser le temps pour le début de carrière. Oui, ce serait bien qu'elle réussisse, mais Erza, franchement, c'est vraiment très mal parti pour la réussir. J'aimerais avoir un PC gamer, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de budget pour me le payer. Peut-être chercher quelqu'un qui peut me config. Bah, tu sais que tu peux trouver des PC gamers maintenant qui sont vraiment pas chers, et c'est vrai que justement, tu devrais trouver quelqu'un qui puisse t'aider à te faire une config sur. Juste vous accueillir dans la communauté. Oh, mais quel joli coup vous avez. Oh non, 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 me bouffe pas le coup. Ok, arrête de regarder la télé. Hop. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un? Parce que pour le social, là, ça craint quand même. Prendre des restes. Et aller dormir. On essaiera le matin de tchatcher avec quelqu'un. Ça, tu veux des new music? Alors, des new music pour quoi? Pour. Attendez, oh, attendez, stop, stop, stop. On va quand même lui inviter à rentrer. C'est peut-être pas une bonne idée d'inviter un vampire à rentrer. Oh, regardez, elle s'est changée. Ah, elle est trop belle. Là, elle est en mode hiver parce qu'il fait froid dehors. Ah, oh, mon dieu, j'adore sa tenue. Gucci, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ok, j'arrête mes conneries. Présentation amicale. Regardez, elle est pas trop belle. Regardez. Franchement, je trouve qu'elle est quand même bien réussie, Notariana. Elle est quand même bien bien réussie. Rejeter les méthodes malveillantes. Oui, c'est pas bien de mordre les gens. Pour avoir un beau PC gamer, je vais demander à mon cousin. Bah, moi aussi, je peux vous aider. J'ai quand même beaucoup aidé les personnes autour de moi à faire des PC sur des sites, à monter les PC, etc. Ou à réparer aussi des PC à des amis. J'ai déjà réparé certains PC, j'ai remis à zéro, etc. J'ai déjà aidé quelqu'un à changer un composant dans son PC. Donc voilà, ce genre de choses je sais faire. Après, à distance, je peux aider à monter un PC sur Top Pacha ou LDLC. Ok, on s'aime pas trop avec Vlad, je crois. Discuter de son groupe préféré. Aime la musique? Ah, ok, on va parler de musique, c'est pas grave. Oh, merci Laetitia, bienvenue à toi, merci beaucoup. RIP. J'aimerais bien ton aide. Bah, je pense que toi, tu peux. On est toujours amis, je crois, sur Discord. Tu peux me contacter en privé. Tu m'envoies un petit message. Tu me dis, voilà, écoute, j'aimerais bien un PC. Et j'ai tel budget. Et moi, avec le budget que tu me donnes, je vais essayer de faire un PC. Si tu me dis que tu préfères avoir un PC, genre vraiment pour du gaming, j'essaierai de te mettre le meilleur truc pour le gaming avec le budget que tu as. PC Gamer a mis 100 euros qui a coûté cher. Ouais, toi, t'es tranquille pour longtemps. T'es enrhumé ou quoi? Non, même pas. Pourquoi j'ai l'air enrhumé? Kazel, la mécanicienne. Eh hey, ouais. Parler de la température fraîche. Ah, les joueuses. Discuter de la paix dans le monde. Ouais, il est 2 h du matin, il pourrait peut-être dormir un petit peu quand même. Hein. Complimenter la tenue. Et puis écoute, après, tu iras quand même dormir. Hein. Allez, en plus, on est sur de mauvaises bases. T'es pas d'accord avec la paix dans le monde? Eh ben, moi, je vais dormir. Voilà. 22 du 11 2018. What? Je suis tranquille là, bah ouais. Ouais, c'est au quartier, c'est la Hesse. Ton PC, il a coûté combien? Bah, en fait, moi, mon PC, Lilina, il change tout le temps parce que moi, je change les composants au fil du temps, en fait. Et bah là, à l'heure actuelle, mon PC vaut à peu près 2000 euros.
Mais c'est un grand investissement que je n'ai pas fait d'un coup. J'ai fait petit à petit. D'abord, j'ai changé ça. Puis après, j'ai mis ça qui était encore mieux que l'ancien. Tu vois, j'ai pas mis 2000 euros d'un coup parce que je pouvais pas. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais voilà, j'ai besoin d'un gros PC parce que ben, vous voyez ce que je fais sur YouTube. Même si c'est vrai que MSP, mais avant MSP, voilà. Et aussi après, avec les Sims, les montages. Convention geek. Ah, désolé, je ne peux pas. Fête de l'hiver commence demain. Afficher les objets associés. Ok, la fête de l'hiver, c'est quoi? Si on peut se faire des cadeaux? Oh mon dieu, c'est trop beau ça! C'est le sapin des saisons! Oui, c'est magnifique! Oh non, mais en vrai, il faudra qu'on fasse une déco de Noël chez Ariana. C'est un petit peu la Hesse, donc il va falloir vite qu'elle gagne de l'argent si elle veut une déco de Noël, sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. What? Elle est en retard? S'il y a beaucoup à vous. S'il y a beaucoup à vous. What? Attendez, attendez, c'est à quelle heure? Comment ça à midi? J'ai eu peur. J'ai cru que c'était à 8 ou à 9 h et je l'avais raté. Oh, j'ai eu peur. Bon. Prendre des restes. Pipi room. Et puis si on peut un petit peu regarder la télé. Même si je pense pas qu'on aura le temps de passer niveau 3 pour la comédie. C'est bientôt Noël, bah ouais. Hein. Je parle comme ça quand je suis enrhumée. Ce mec est flippant. Parce que maintenant, tu filtres les messages sur Discord MDR. Ah bah oui, je suis communée, je ne peux plus. Je suis arrivée à un stade. Je suis arrivée à un stade où je reçois tellement de messages que même tous les jours, j'arrive plus à y répondre. Je n'y arrive plus. Trop. Et le pire, c'est que c'est des spams ou des messages qui sont pas forcément super cool de m'envoyer sur Discord, du genre accepte-moi sur MSP, ajoute-moi sur MSP, donne-moi un cadeau, fais-moi VIP et ce genre de messages. Déjà encore, je les supporte sur la chaîne, hein. Mais arrivé à un stade où je les reçois en mail privé, sur mon mail pro, sur mes réseaux sociaux, sur Discord, etc. Ben voilà. J'ai trop connu. Bah surtout sur MSP, après sur les autres trucs, beaucoup moins quoi. Ok, le petit pipi, et il va bientôt être midi. Est-ce qu'on a le temps? On va peut-être prendre une douche rapide. Parce qu'elle est mal à l'aise à chaque fois. Une petite douche rapide. Histoire d'être bien quoi. Bon, elle est toujours pas bien. Heureusement, elle part, elle est mal à l'aise pendant 41 minutes. Bon, j'espère. On croise les doigts, même si franchement, j'y crois pas trop à la réussite de cette audition. J'y crois pas trop. Oh, audition réussie! J'y crois, c'est pas vrai. Je voulais vous dire que j'y crois. Vous avez été choisi pour vendre des produits qui prolongent la vie pour la marque Médicaments Précliniques. Insérez message félicitations. Non, mais genre, ils me font trop rigoler, les Sims. À chaque fois qu'ils partent dans des délires, ils partent loin. L'heure du tournage a été planifiée. Évitez de tomber malade jusqu'à la fin du tournage. Nice, allez, on pourra quand même faire un tournage avant la fin du live. Et ça, c'est cool. Rejoice, j'ai fini de voir ta vidéo. T'as été trop généreuse. Ah oui, la vidéo sur la chaîne MSP. Oh, j'économise l'argent, je te contacterai sur Discord le moment venu. Ouais, voilà, comme ça, à peu près au moment venu. Comme ça, moi, je pourrais m'adapter avec. Voilà, parce que c'est vrai que les prix des trucs ils changent, ils baissent, ils montent. Des fois il y a des promos, des fois il n'y en a pas. Vous avez été choisi pour vendre des produits qui prolongent. Ok, ça j'avais lu. Et du coup, l'audition se passe. Je vous dis ça de suite. L'audition se passe mercredi, donc le lendemain, à 19 h. Et du coup, tâche de préparation. Explorer l'émotion joueuse. Développer la compétence comédie. Alors la compétence comédie, on sait faire. Par contre, l'émotion joueuse, bah jouer, non? Une émotion joueuse, c'est effectuer des interactions drôles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... tiens. Des trucs drôles, bah on va faire rigoler Orange. Quoi? Star montante, 2 étoiles. Déjà, le mec, hein, il s'appelle Orange, hein, déjà. Hein. Et il est plus connu qu'Ariana. 2 étoiles de notoriété, c'est une blague. C'est une blague. Demandez de prendre une photo d'Orange. Mais cette phrase! Le pire, c'est quand vous la lisez. Et merci Chimie, bienvenue à toi. Regardez comment vous la lisez. Demandez de prendre une photo d'Orange. Franchement, dit comme ça, c'est très chelou. Tentez de se présenter. Ah oui, donc je ne peux même pas l'approcher, c'est ça? Écoute, c'est bon, j'en ai marre. Je vais parler à lui. Mais lui, il a l'air d'avoir envie de faire pipi, donc je sais pas s'il voudra parler longtemps avec moi. Bon, on va tenter du coup avec le petit. On va voir s'il va nous clasher ou pas, en mode nous mettre un vent, genre merci, au revoir, je suis trop connue, meuf, j'ai pas le time pour toi, Ariana. Comment elle gueule? Comment elle a gueulé? Ouais, donc on peut lui parler ou pas trop? Amical. Ok, on peut même pas lui parler genre normal.
on demande quand même un autographe à un enfant qui s'appelle Orange et qui a quand même 2 étoiles de notoriété. Qui dit pas le nom de fruit. Ouais, mais quand même. Mais du coup, on peut rien faire d'autre. Moi, je veux des actions drôles. Ils sont sérieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? On va commencer peut-être à augmenter la comédie en regardant la chaîne Humour. Et si on voit quelqu'un passer, on fera les interactions drôles. Donc, développer la compétence comédie pas commencée. Là, ça va commencer. Tout juste commencer. Ah, elle est devenue joueuse. Ah, mais il faut l'explorer aussi. Ah, bah, il a eu le temps d'aller faire pipi, je crois. Bon, on va peut-être finir quand même. On va peut-être finir développer la compétence comédie. Comme ça, après, on est tranquille. Ah! Est-ce qu'elle vient? Non, elle vient pas. Je pensais qu'elle allait peut-être venir nous dire bonjour, mais pas du tout. Ça, tranquille, j'ai cru que t'avais filtré les amis sur Discord aussi. Non, 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 les amis, je les ai pas filtrés. Faut pas abuser non plus. Hein. Orange, on aura tout vu. Comme la couleur de ton profil. Peut-être c'est le gars qui a créé l'opérateur Orange. Bah, il est vachement jeune quand même. Ok, c'est bon, on a validé la compétence comédie. Ah, on va aller voir. Oh, mais elle aussi, elle doit être vachement connue. Superstar mondiale. Oh là là. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas une star dans ce quartier? Est-ce que toi aussi t'es une star? Non, Billy n'est pas une star. Oh mon dieu, t'imagines, il est 19h du soir et t'accostes une enfant dans le quartier qui ne te connaît pas et que tu ne connais pas. En dehors des Sims, c'est très bizarre. Bon, là on est dans les Sims donc ça va. Faire une présentation amusante pour garder le truc joueuse. Et là t'as un scout qui débarque derrière le buisson, c'est encore plus suspect tout ça. C'est vraiment plus suspect. Je vais prendre un deuxième écran pour avoir 2 écrans, ensuite un new clavier souris. Ouais, les 2 écrans maintenant, moi ça fait... Moi c'est vraiment que pour YouTube, enfin pour les streams à la base que j'avais commencé sur Twitch, que j'ai pris un deuxième écran. J'avais... Et depuis, ben, même en dehors des streams et tout ça, je trouve ça vachement utile. Faire taquiner de manière malicieuse. Raconter une histoire drôle. Ah, il y avait un truc avec des bananes. Plaisanter sur les bananes. Anna a appris que Billy avait les traits de caractère suivants. Pitre. Ah, bah ça tombe bien. Offrir un cadeau amusant. Ah, on a eu des petits moins là quand même. Hein. Elle nous apprécie pas vraiment. Ok, c'est bon, on l'a fait. On a réussi. Tiens, un petit cadeau, Billy. Et souviens-toi, tu as reçu un cadeau d'un. Et le pire, c'est qu'elle est contente. Moi, j'aurais été trop deg. Non, je voulais mon iPhone 10. Je voulais un iPhone 10. J'ai vraiment y aller, c'était très sympa en plus. Ah, par contre, je vais pas lui parler, elle a l'air vachement vénère. On va la laisser. On va la laisser, on va rentrer. On va aller au pipi room. Et on va peut-être augmenter. Quelle aptitude faudrait augmenter? Bah, ce qu'on a à la maison, hein, charisme, je pense, ce genre de choses. Qu'on a souvent besoin pour justement les auditions. Coucou Pamela! Qu'est-ce que j'ai raté de beau? Bah, juste le début du JSP, mais t'inquiète pas, ce sera en replay et en rediffusion. Sur Steam, le truc qui t'a permis d'avoir un fond d'écran animé s'appelle Wallpaper Engine. Faut pas que je me trompe. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'aimerais un jour rencontrer Pixia. Bah écoute, pourquoi pas? Parce que franchement, je suis abonnée à sa chaîne et j'aime beaucoup son contenu. C'est mon ancien PC, j'ai mis à côté et du coup, je sais pas quoi en faire comme j'ai mon new PC. Après, si tu comptes plus vraiment l'utiliser et qu'il vaut pas la peine d'être vendu parce qu'il vaut plus rien, bah peut-être que tu pourras faire plaisir à quelqu'un dans ta famille qui pourra le récupérer. On dit qu'il y a une grosse fête au chalet en ce moment, même tu veux qu'on y aille ensemble. Allez, go, on y va. On va faire la fête, on va faire la teuf. Ok, on y va. On va faire la fête quand même, hein, parce qu'Ariana, voilà, faut qu'elle profite quand même avant de devenir une superstar et qu'elle pourra plus se permettre de faire ce genre de choses, parce qu'on sera accosté dans tous les bars. On va y aller, on va y aller. Moi j'ai un iPhone 10, lol. J'ai un iPhone 10 parce que j'ai pété mon iPhone 6S. J'ai un téléphone à clapper, mort de rire. J'ai cassé tellement de trucs dans ma vie. Bah pour découvrir, je sais pas, je vais manger. Bon appétit, Justine. Coucou, Maya. Oh, il neige. On est en hiver. On n'est pas du tout en hiver, on est en printemps. On est en hiver. What? On a sauté un espace-temps ou ça se passe comment? Ah mais non, non, on avait choisi hiver. C'est moi, je dis des conneries. On avait choisi hiver, justement, pour le côté un petit peu dramatique. Oui, oui, oui.
Allez, choisis hiver. Là, je pense que je vais bloquer la saison sur hiver pour au moins passer tout décembre dans l'hiver avec Ariana pour Noël hein, et tout ça. Ok, elle est là, donc ok, d'accord, fais des pompes, pourquoi pas, soirée dansante. Tiens, on va discuter avec elle. Mais par contre, je la trouve trop stylée habillée comme ça en vrai. Les talons avec le pull, je trouve ça lui va trop bien. C'est stylé. On va peut-être rentrer à l'intérieur, hein, parce que je pense que la fête, techniquement, elle est... Enfin, quoique, c'est un peu bizarre. C'est quoi? Elle est où la fête? Ah, elle est là, la fête! Elle est là! Je suis en train de me dire, elle est où la fête? C'est quoi ce bordel? Il n'y a personne, il n'y a pas de bar, rien, même en haut, il n'y a rien du tout, en fait. Donc, on va aller faire la fête. Bah oui, ça va. Duel de danse. Plus de notoriété. On va faire... Tiens, contre Vanessa, parce que c'est une pote, donc ce sera un duel amical. On va faire un duel de danse pour notre notoriété. C'est vrai qu'il faudrait que je me concentre aussi sur la notoriété. Coucou Clara. C'est une fête invisible. Je sais avoir un Wiko. Bah non, j'avais un ami qui avait un Wiko aussi, mais il a pas duré longtemps. Elle joue aussi belle. Ah ouais. Regardez la musique. Allez, viens. Viens, Ariana. Elle est où, Ariana? Je t'ai dit de faire un duel de danse. Allez, viens. Ah voilà, on fait un duel de danse. Par contre, voilà, faire la fête dehors dans la neige, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? À la fin, elle fait un truc bizarre comme ça. Et merci mademoiselle Nerissa, bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. Coucou Pixie, ça va et toi? Tu vois ce que tu donnes les liens de CC de Ariana Grande? Je vais essayer de faire ça dans la semaine pour essayer de vous mettre le vidéo le plus rapidement en ligne. C'est vrai qu'en plus, vu qu'on a lancé le let's play officiellement sur la chaîne d'Ariana, bah, ce serait bien que je puisse vous le partager un maximum. J'ai pas utilisé de PC en même temps et puis même l'ancien PC, je saurais pas où le mettre. Mon new PC me suffit déjà, la tour, etc. Je vais pas me prendre deux PC, bah ouais. À la limite, un PC portable, je comprendrais. Hein. Moi-même, j'aimerais bien un PC portable par la suite, un MacBook Pro pour le côté, voilà, un petit peu montage. Mais voilà, avoir deux PC fixes, je vois pas l'intérêt. Sauf si vraiment t'es un youtubeur du turfu et t'arrives à faire des vidéos sur deux PC, le temps qu'il y en a un qui fasse un rendu, tu vas sur l'autre, tu fais ton taf, machin. Mais bon, hein, je pense que un déjà c'est beaucoup de travail. Ok, le duel, on les laisse faire le duel, je ne sais pas combien de temps ça dure un duel. Ah, je crois que le duel est fini, mais du coup c'est qui a gagné le duel. Ok, on a reçu par contre une compétence danse, donc c'est bien. Caractère ambitieux. Ariana est ambitieuse et Sims ambitieux sont concentrés sur leur carrière. En cas de succès ou d'échec professionnel, ils ont une réaction émotionnelle. Donc normalement, elle doit avoir une bonne réaction. Il neige. Ah, elle est contente. A vu une célébrité. Ah, l'anxiété de la promotion. Ah, parce qu'elle est stressée. Bon, en tout cas, il y a quand même de l'ambiance. Elle est sympathique cette fête. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dansons, on est là, autant profiter. Oh non, il a DJ, où il est DJ? Par contre, elle doit bien se l'écailler quand même. Hein. Oh mon dieu, regardez. Ah, mais même Ariana, regardez derrière. Regardez Ariana derrière, elle est en PLS total. Et là, t'as la meuf blonde, là, avec ses mèches roses, là, hein, qui est habillée très chaudement, comme vous pouvez constater. Et qui ne se dégèle absolument pas, elle est normale. Alors que derrière, là, Ariana, elle est limite en train de tomber de froid, là. Ah, mais DJ est revenu, donc on va aller danser ensemble. Yes! Il fête sous la neige, ouais. Bon, après, apparemment, c'est quand même bon sur le corps, pour le corps, hein, les températures basses. Mais il faut pas abuser non plus. Ah oui, elle skye le cucu, hein. Là, clairement, même moi, je gèle chez moi. Même moi, il faut regarder, j'ai un pull, j'ai un t-shirt en dessous encore, et il fait pas chaud chez moi. On va m'aider pour le PC? Oui, Aninka. Oui, bon, toutes les personnes qui veulent que je leur crée un PC sur un site, etc. pour faire la commande ensuite, il n'y a pas de problème. Très bien qu'un jour, on crée Pixie Star. Ah ouais, ce serait pas con de créer Pixie. J'ai dit que j'y ai jamais pensé. Est-ce que je suis en train de danser? Je suis où, moi? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon dieu, elle pareil. Hein. Elle a chaud. Elle a chaud. Mais sérieux. Oh. Il est beau gosse, lui, non? C'est un DJ? Épreuve des platines, gros. Ouais, ça doit être un DJ, je pense. Joaquin, le chien. Joaquin? C'est pas Joaquim? Non, c'est Joaquin.
Et elle est là, la superstar. Elle me fait rigoler parce que elle fait genre la première dame. Voilà, alors qu'elle vient à des fêtes comme ça, quoi. C'est rigolo. C'est contrastant. Mais c'est bien. Ok, et moi je danse à 3 km du DJ. Mais bon, tant qu'elle danse, hein. Par contre, je veux bien, mais pas non plus trop longtemps, hein, parce qu'elle commence à avoir la dalle et elle commence à avoir envie de dodo. Combien de temps encore? Dans combien de temps ça se finit? T'en restant encore une heure. Bon, on va rester jusqu'à la fin de la fête. C'est pas cool de laisser les autres. Même si là, franchement, elle est fatiguée. Elle est confiante. Pourquoi? Groove assuré. Les Sims sont complets à bloc, prêts à groover et à conquérir le monde. Tiens, vu qu'elle est confiante, on va mettre la danse confiante. Mes parents ne veulent pas payer sur internet, donc je passerai par mon cousin. Ah, bah oui. Je donnerai la somme, il me l'achètera. Ouais, bah ouais. Après, heureusement que c'est quand même assez sécurisé. Moi, les seuls sites que j'utilise, ce sont des sites sécurisés, vous inquiétez pas. Elle est bizarre, la dame. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est avec Heure de Gloire, c'est la coupe d'Heure de Gloire, c'est une tenue Heure de Gloire aussi. Ok, la fête, elle est finie, on va rentrer, hein. Ah, il est 5h30 du matin. Meuf, tu as tellement pas assumé demain. Enfin, aujourd'hui. Bon, heureusement, c'est à 19h seulement que l'on va faire l'audition. Je pense qu'on va faire l'audition et après on s'arrêtera. Ça fait déjà un petit moment. Mais ouais, on va aller faire la petite audition en espérant que tout se passe bien. Franchement, ça devrait aller. Je pense que c'est plus difficile de passer l'audition qu'après de faire le taf, quoi. C'est... Fête de l'hiver. Ok, c'est quoi ça? Décorer. Le choix parfait de couleur doit... Oui, mais on a... C'est la Hesse. Il n'y a pas de décoration. Esprit des fêtes. Ouais. Ouvrir des cadeaux. Ouais, ce serait bien que j'en reçoive aussi grand repas. Voilà, un petit peu seule, Ariana. Hein. Père hiver. Trouvez le père hiver. Demandez-lui un cadeau pour satisfaire cette tradition. Le père hiver apparaît à 20h près des cheminées. Oh, mais j'ai pas de cheminée non plus. Merde. Et en plus, je ne serai même pas là à 20h. Voilà, vraiment la dalle. Hein. On va d'abord bouffer. Préparer un grand repas. Oh. Bon, on va manger les restes. Et peut-être qu'on préparera quand même un grand repas. On regardera un petit peu les prix. Mais quoique, après l'audition, peut-être qu'on pourra quand même prendre une petite déco de Noël. Parce que je crois que c'est entre 150 et 400 simflouz, si tout se passe bien. Ça va et toi, Popcorn? Petite DR, t'es qui pour être une superstar? Récrisiel Daria. Et merci, Sarah. Bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Tristesse, on verra Popo Noël, ouais. On verra pas Popo Noël. Un jour, j'aurai les 10 000 citrons. Bon, ça va quand même, t'es bien, hein, qui est au niveau des citrons. Pour m'ajouter sur Discord, oui, Tigresse. Elle chante trop bien, j'adore, Think You Next. Et alors, par contre, la dernière de ses musiques, je l'ai pas encore entendue, Kevin. Oui, je sais, je suis une inculte. Et merci, Elise, bienvenue à toi. Erreur 3026. Ok, les messages bizarres que je reçois de l'agence de d'Ariana. À quand ta série Sim, s'il te plaît? La série avec les bois et tout ça, pour le moment, elle est décalée parce que j'ai clairement pas le temps de m'en occuper. Ouais, Ariana, elle est belle. Hein. Je vais avoir les 10K de citron demain. Demain? Pourquoi demain? Oui, il y aura une rediffusion. Hein, tous les. Ouh, elle a vraiment envie d'aller aux toilettes par contre. Hein. On va dire tous les Ariana, enfin tous les live Ariana seront rediffusés. Ou j'inquiétais pas. Est-ce qu'on a le temps de préparer? Je pense qu'on a le temps quand même de préparer le grand repas. Oula, ouf, ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Ça centimes plus quand même, hein, le grand repas. Hein, Dîner avec du substitut de dinde au tofu, c'est le moins cher avec le grand petit déjeuner. Allez, on se fait un petit kiff, on va faire un dîner avec du jambon, et puis au moins ça va se garder quand même un petit moment. Chez Sims, plus chien et chat, enfin c'est normal d'avoir 2 CD pour le jeu de base. Bah oui, parce que plus le jeu est gros, plus ça prend de CD. Après, moi je l'ai acheté en version dématérialisée. Donc moi j'ai pas les CD, j'ai le compte Origin. Elle est trop belle. Ouais, moi je dis qu'elle est trop belle. Oh, j'ai combiné. Je suis sûre, Lalo, elle pourrait te sortir ça, MDR. Bah oui. Waouh, 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 waouh. Ouf, qu'est-ce qu'elle me fait? Je me suis chié dessus, les gars. Je l'ai vu en train de brûler, en fait. Pendant un court instant, je l'ai vu en train de brûler. Voilà. On n'aurait jamais dû faire ça. Parce qu'en plus de ça, il va falloir qu'on repaye le truc, là. Et... Va éteindre le feu, au moins, je sais pas. Avant que ça prenne, toute la maison prenne feu. Oui, on a eu 180 simflouz, mais pour remplacer, ça nous coûte plus cher. Oh, c'est catastrophe. Catastrophe. Elle est contente parce qu'elle a éteint le feu, mais...
On n'a plus de frigo et on n'a pas assez d'argent. Bon, j'ai sursauté, mais même moi, ça m'a. J'ai plus le truc tout d'un coup. En plus, j'étais en accéléré, c'est parti en cacahuète. C'est bon, j'ai acheté Wallpaper Engine, on va voir ce que ça donne. Bah, si t'as besoin d'aide pour le logiciel, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais là, c'est catastrophe. Parce qu'elle a mis le feu, on n'a pas d'argent. Là, vraiment, faut qu'on aille à l'audition et qu'on repaye tout ça, quoi. Ah, bah, tiens, on va déjà remplacer ça. Parce que là, au moins, on pourra quand même prendre des restes de ce qui reste, quoi. Ouais, bravo. Bravo, bravo Ariana. Vraiment. J'ai un scoop, il y a une fête géniale. Ouais, je vais pas faire la fête tous les jours hein, non plus. Hein. J'ai un travail quand même, moi, madame. On a besoin de discuter. Hein. Envoyez seul. Non, on va rejoindre. On va rejoindre. C'est super intéressant en plus. Squat chez quelqu'un et prendre. Pour... Et... Ouais, c'est vrai qu'on peut squatter chez les gens. Au cas où, on a quand même une alternative. Ce serait bien qu'ils sortent un pack supermarché. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par supermarché? Parce qu'après, tu peux avoir une boutique hein, dans les Sims 4. Tu peux ouvrir ta propre boutique et faire genre un supermarché, si c'est ça ce que tu veux. Même si c'est pas non plus super détaillé en soi. Ok, donc on est arrivé sur place. Je vais mettre en pause pour optimiser un maximum notre temps au travail. Donc, il faut terminer ces performances-là avant la fin de la journée du travail. Donc, ok, donc là, c'est le hangar. La dernière fois, j'avais pas regardé qu'est-ce que ça donne de loin. Mais en fait, ça donne ça. Et autour, il y a des décors. Vous voyez ici, il y a des décors. Ah, ça, c'est cool. Avec un fond vert ici. C'est vachement bien fait, hein. Après, est-ce que, je pense qu'ils se sont inspirés genre de vrais trucs d'Hollywood, avec plusieurs hangars, et tout, quoi. Parce que sinon, ouais, ça doit être ça me fait penser vraiment. Avec l'entrée comme ça, et une petite limousine sur le petit rond-point. Bien sûr, je suis arrivée en limousine, hein, on le sait tous, et l'entrée, elle doit être là. Bref, on va quand même, hop, aller à l'intérieur, donc s'entraîner à jouer, poster une story sur Simstagram. Donc ça, on va déjà commencer par là. Hein. Mettre ta petite story sur Simstagram, faire genre, acheter une story à Simstagram, se faire coiffer et maquiller, s'entraîner à jouer. Pour s'entraîner à jouer, je pense que là, on peut s'entraîner à jouer. Et ensuite, ici, mettre le costume, se faire coiffer et maquiller. Donc normalement, c'est d'abord se faire coiffer et maquiller, ce sera ici. Hop. S'entraîner à jouer, elle est en train de le faire. Ok, c'est fait. Le chemin de la gloire. Les sims peuvent maintenant devenir des célébrités. Il y a plusieurs façons de devenir célèbre. Et à mesure que votre sim développe ses compétences et ses carrières, de nouveaux moyens de devenir célèbre deviennent disponibles. Vous pourrez par exemple poursuivre une carrière d'acteur ou améliorer votre compétence production de médias à travers la station de production vidéo et la station de production musicale. Cherchez les interactions suivies de la mention notoriété. Elles vous aideront à devenir une superstar. Je rappelle que, que tout ce qui est acteur, ce sera sur le live avec Ariana. Et tout ce qui est production de vidéo, ce sera avec Harley Lilil, mais en vidéo. Pas samedi, dimanche le marathon c'est mieux. Bon, en général les marathons je les fais toujours le dimanche parce que je pars du principe que le dimanche c'est là où il y a le plus de personnes qui sont disponibles vu que les magasins sont fermés en plus et en général tout est fermé le dimanche. Ou si je le fais samedi des fois il y a des gens qui sortent et tout et tout. Ok, là on se fait coiffer. Faire connaissance avec quelqu'un du plateau. Ah, offrir un cadeau. Rire en faisant ho ho ho. Faire connaissance. Attends, ici, s'il y avait. Oh, regardez mon look. Ah, j'espère que c'est une perruque et que tu m'as pas vraiment coupé les cheveux, hein, madame. Hein, hein madame. Ça y est, peur là. Là, on va mettre le costume. Complimenter un sim sur le plateau. On peut complimenter la madame là. Amical. Complimenter la tenue, ça marche. Ouais, le dimanche c'est mieux, ce que je pense aussi. C'est là où le plus de personnes peuvent être là. J'ai ma sortie de samedi après-midi MDR. Non, c'est pour ça que dimanche, moi ça me dérange pas non plus. Ce dimanche, c'est la Sainte Cécile, du coup, moi je suis toujours occupée à cette date. Parce que tu t'appelles Cécile. Renono, coucou Hélène. Je t'ai proposé ton aide, mais y a pas de problème. Ok, on va mettre le costume. On a jusqu'à 3h du matin, ça devrait aller. On est quand même bien dans les temps, je pense. Hein. Ok, le costume, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec, avec ma coupe. Ah, on est une sorte de médecin, j'ai l'impression, une infirmière médecin, une scientifique. Bon, j'aime bien le looking. Je trouve que son visage, franchement, il va bien avec tous les cheveux, tous les looks. Alors, dis au réalisateur que le tournage peut commencer et terminer à parfaitement. Donc, on va aller. Il est où? Il est normalement, ils sont sur la chaise là.
Est-ce que c'est lui, elle, pardon, c'est elle, la réalisatrice. D'abord, on va se présenter quand même. Présentation amicale. On va pas se permettre au travail de faire une présentation amusante ou grossière, quoique dans le milieu des acteurs et tout ça, peut-être que ça passe encore. Ok, on peut commencer, madame. Avant que je pue trop de la chaussette, là, hein, ça commence à baisser ici, hein. Alors, jouer une scène où le personnage soigne un patient, jouer une scène où le personnage raconte une blague. Raconter une blague risquée. Allez, pendant qu'elle est confiante encore, on va faire la blague risquée. Hey, c'est faux. Ah ouais, on peut, Johanna, être parent. Est-ce que je l'ai sur cette version des Sims? Parce que tu te rappelles, j'avais un autre compte avant, et depuis que je suis devenue partenaire avec... Enfin, je partageais un autre compte avant avec l'Astico, et depuis j'avais changé de compte et j'ai racheté les Sims sur un autre compte pour... Parce que vu que je recevais des gens d'avant-première, je voulais pas prendre de risque et avoir un compte juste à moi. Et du coup, ben, je sais pas si j'ai être parent. Si c'est un pack, je crois que je l'ai. Je vais tester de toute manière, je vais tester. Je vais juste finir mes performances et puis je vais aller voir si je peux aller au buffet pour le faire. Alors, ensuite, jouer une scène où le personnage montre le produit. Montrer le produit risqué. Je sais pas, j'en profite pendant qu'elle est confiante pour tester. Ok, donc je disais bien, c'est un sort de médecin. Ou pharmacienne même. Jouer une scène où personnage soigne un patient. Donc c'est lui, le monsieur que je dois soigner. Soigner un patient risqué. Oh mon dieu, on prend des risques aujourd'hui. Est-ce que la performance elle est moyenne? Parce que... Ou pas? C'est bon, on a terminé la performance. Tout s'est bien passé ou... Pas trop, parce qu'ils me disent pas trop là ce qui se passe, hein. On va aller. Alors attends, tu m'as dit aller au buffet, donc ah bah, c'est bon, ça a marché. Ouh, 450, je pense que c'est plutôt. Oh non, what? Notoriété gagnée, ok. C'est plutôt bien. Je pense qu'on a une très bonne performance parce qu'on a quand même gagné 450 simpouls et il disait que c'était entre 150 et 450, je crois. Donc on a eu le max. C'est dans la boîte Arena, terminé toutes ces scènes. Rentrer chez soi ou rester sur le terrain. Bon, on va rester sur le terrain pour essayer de gratter un petit peu de la bouffe sur le buffet. Mettre un sac en papier pour le déjeuner. Oui, merci Johanna. Merci pour l'astuce. Surtout là avec ce qu'elle vient de me faire comme connerie à la maison. Ce sera utile. Et attends, l'inventaire. Et hop, je le glisse dans l'inventaire. Oh là là, c'est parfait. Est-ce que genre je peux aller dans l'inventaire et genre prendre toute la bouffe? Oh, oh la voleuse de bouffe, regardez, je prends toute la bouffe, les hot dogs et tout. Bon, j'ai pas abusé après, faut pas abuser non plus, hein. Allez, on prend un bout de pizza, tiens. T'as bien d'avoir. Et après, faut vite je rentre, mettre ça au frigo, quoi. La fille qui s'est pas gênée, tu sais, tu l'as mis devant le buffet en train de regarder. Et puis baf, qui ramasse tout, qui met sous la veste et tout. La voleuse, oh c'est pas vrai, techniquement c'est pas du vol étant donné que c'est un buffet, on peut servir. Bon c'est pas très éthique, c'est pas très poli, mais hein, ils sont tous riches ici, hein. Ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Moi je commence ma carrière, j'ai pas d'argent, je viens de gagner seulement 450 simples en faisant la promotion de je sais pas, de médicaments, ça se fait qu'ils sont nocifs en plus, ça se fait c'est des faux médicaments ou les factices médicaments où tu perds 30 kilos en une journée alors que c'est pas du tout vrai, hein. Mais bon, faut bien commencer quelque part, gagner un petit peu de l'argent quelque part. Est-ce qu'on peut faire connaissance avec quelqu'un du coin? Oui, ma Thérèse, Rieko. C'est pas une fille, elle. Enfin, on va un petit peu dire bonjour aux personnes dans le coin, se faire des petites amitiés, des petits contacts, hein. C'est comme ça dans le métier. Quinzaine la voleuse, tu as vite galéré au final de la carrière. Actrice pense à vite monter son jeu de scène. Son jeu de scène, comment on fait son jeu de scène? Tu veux dire apprendre à jouer en fait? Le truc devant le miroir? Moi je mangerais tout sur place. Bah si, mais elle pue. Déjà? Non, elle pue pas encore, mais elle va bientôt puer. Parce que là ça descend des gens. Donc bientôt elle va puer, mais elle pue pas encore.
Donc je pense qu'il est temps de se retirer afin d'effectivement de vraiment puer. Par contre là, jour férié épouvantable. Oui, bah je suis désolée, hein. Ariana, c'est ça quand on a... C'est quoi, c'est la hesse, hein. On peut pas passer un jour de fête si tu ne peux même pas acheter les décos de Noël, quoi. Regarde, il y a le père hiver. What? Je l'ai raté. Je l'ai raté, c'est pas juste. Ben écoutez, on va envoyer notre très chère Ariana prendre une petite douche. Et également aller dormir. Et puis, je pense, la prochaine fois qu'on jouera, on retentera une autre audition pour essayer de se rattraper. Et on va racheter aussi la gazinière. Et on va, juste avant que j'oublie, mettre dans le frigo tout ce qu'on a pris. Pour que ça... parce que là, si on le garde dans l'inventaire, ça dure que 7 ou 8 heures. Alors que si on met dans le frigo, ça restera beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, c'est quoi que j'ai là dans le frigo? C'est quoi cette chose? Ah, c'est l'autographe. C'est un autographe? On dirait une feuille cramée. Lol, c'est quoi ça? On dirait c'est une photo cramée en fait. Pourquoi pas? Je crois qu'il n'y a plus de place dans le frigo. Mais c'est pas grave. Ah non, c'est parce que c'est pourri. Hop, on jette. Voilà, et si on regarde dans le frigo, les trucs qui restaient encore 7 heures, bah maintenant c'est 5 jours, 4 jours. Vous voyez, 5 jours. 5 jours, et ça 5 jours, voilà. Au lieu de rester seulement 6-7 heures, ben ça restera beaucoup plus longtemps. Et ça c'est cool. Elle chante, ouais bah oui, sous la douche. Hein. Bah c'est une future chanteuse, donc forcément elle chante. On est passé dans tous tes lives. Non, je ne peux pas savoir, Afonso. Vu que les citrons ont été remis à jour, je ne peux pas. Sans ta belle touche active, je sais pas comment je fais. Bah GG, félicitations, tu ce soir. Oui, bah on va d'ailleurs passer sur Twitch maintenant. Parce que je vais partir sur Overwatch. Donc là écoutez, non ne t'arrête pas là. Bah pour les gens qui veulent encore continuer à me suivre sur le troisième live de la soirée, je vous invite à venir me suivre sur Twitch. On va faire de l'Overwatch. Alors je sais pas si mon frère est déjà dispo. Normalement c'était donné rendez-vous vers 22 h. Mais moi ça, j'ai déjà y allé dessus. On va faire des petites ranked. Là, je mets sur pause. On va faire des petites enquêtes, tout ça, tout ça. Bah écoutez, merci d'avoir été là. Vous inquiétez pas, je mettrai la rediff de ce live. Bon, je vais pas le mettre tout de suite, parce qu'il faut que je fasse la miniature avant. Mais je mettrai la rediff de celui-ci. Et ben bah, écoutez, je pense que j'ai envie de rejouer. Là, j'ai même envie de continuer ma partie, mais je me dis qu'après, ça va être trop long pour la rediff. Bah écoutez, moi, je... Ouais, il m'a dit vers 22. Bah s'il est dispo maintenant, je vais quand même le contacter. Essayer de lui demander, que lui dire que moi, je suis déjà dispo. De toute manière, au pire, je ferai des parties avant qu'il vienne déjà. Eh bien écoutez, merci à vous, hein, merci pour le live, merci à vous d'avoir été là, merci beaucoup. Et bah écoutez, pour ceux qui viennent sur Twitch pour Overwatch, bah je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Également, merci aux personnes d'avoir regardé la rediff, vous fait aussi des très gros bisous. Et moi je vous dis à tout de suite, à bientôt.